Depuis 33 ans, l'association s'acharne avec un succès reconnu à restaurer cette œuvre majeure du génie militaire de Vauban. À ce jour, les résultats sont édifiants. On peut considérer en effet que 80% de la restauration a été achevée. La reconstruction des logis, des salles de tir, des remparts. Le fort de la Conchée retrouve peu à peu ses lettres de noblesse. Il s'agit de la 10e édition du Grand Trophée de la plus belle restauration, deuxième année sous l'égide de Dassault Histoire et Patrimoine. Un grand prix monument, un prix jardin et un coup de cœur seront remis ce soir. Je représente l'association de la Compagnie du Feu et je suis très fière de la représenter, cette association qui œuvre depuis 33 ans à la restauration de cet édifice absolument exceptionnel. Nous sommes sur le fort de la Conchée, situé à 3 milles au large dans la baie de Saint-Malo. Ce fort a été construit au XVIIe siècle par Vauban et il le considérait comme absolument exceptionnel, il le considérait comme son chef-d'œuvre. Il écrivait à Louis XIV, le fort de la Conchée sera ci-après la plus belle du royaume, la plus petite mais la mieux entendue, comme elle aura été la plus difficile à bâtir, car jamais ouvrage ne le fut tant. Je confirme en toute objectivité, c'est un édifice exceptionnel. Ce fort est absolument remarquable puisqu'il ne faut jamais perdre de vue que c'est un fort militaire qu'Vauban aurait pu avoir un souci d'esthétique moindre, alors que c'est tout l'inverse. Ces salles de tir sont absolument exceptionnelles, ces voûtes d'or sont remarquables de par leur réalisation et cette harmonie qu'on retrouve sur les dallages. On aurait pu très bien imaginer que ce fort soit en terre battue et d'une grande simplicité, ce qui est absolument l'inverse dans cette réalisation. Donc depuis 33 ans, la Compagnie du Fort de la Conchée œuvre avec toujours la même ferveur à la reconstruction de cet édifice exceptionnel. Donc au fil des années, les six logis vont être reconstruits. On travaille évidemment sur tous les remparts qui ont été terriblement endommagés. Les salles de tir sont partiellement restaurées, mais elles n'ont pas été abîmées pendant la guerre, mais elles ont besoin d'une restauration. Et un gros morceau est à réaliser, c'est ce qu'on appelle l'entrée, le massif sud, qui est ce trou béant qu'on aperçoit sur les photos. Reste un gros projet à réaliser, la reconstruction du boulevard de défense, juste à l'entrée. C'est un ouvrage extrêmement important et si on n'arrive pas à le reconstruire, on a l'impression que le fort sera amputé d'une partie de son architecture. Ce boulevard a un vrai intérêt architectural. Esthétiquement parlant, il est absolument extraordinaire, mais aussi il aura l'intérêt de nous faciliter terriblement l'accostage. Cette restauration est particulièrement complexe par le fait de la situation de ce fort en pleine mer. L'accès est compliqué, maritimement, il dépend des conditions de la météorologie, ce qui n'est pas toujours simple dans la baie de Saint-Malo. Il faut approvisionner ce fort par héliportage, ça reste le moyen le plus rationnel d'approvisionner ces tonnes de matériaux et de matériaux qu'il faut amener sur le fort. Et enfin, les conditions de travail qui sont particulièrement difficiles sur ce fort et on a des ouvriers absolument fabuleux qui participent largement, enfin sans eux d'ailleurs on serait rien,
à cette restauration exceptionnelle. Ils sont ravis de travailler sur ce fort, même si les conditions de travail et de vie sont très difficiles. Enfin, un grand merci à la Fondation Dassault, à la Fondation Mérimée. Nous sommes très honorés d'avoir été récompensés par ces institutions prestigieuses. Merci aussi au jury d'avoir accueilli notre projet avec tant de bienveillance. Décide de sauver un fort bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, un chef-d'œuvre de Vauban, complètement fou dès le départ, et une nouvelle aventure folle qui s'ouvre, parce que vous voyez aujourd'hui ce vaisseau de pierre immobile, mais qui semble être prêt à affronter toutes les tempêtes, qui se dresse à nouveau fièrement sur la mer, qui combat l'océan. Et tout ça, c'est pas pour l'habiter, c'est pour le bonheur d'être ensemble, c'est pour le bonheur de le partager, c'est pour le bonheur de le transmettre. Et là, c'est quand même tout à fait étonnant comme aventure. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. On est là dans les bâtisseurs de l'extrême. Il y avait des bâtisseurs de l'extrême du temps de Vauban, et maintenant il y a des restaurateurs de l'extrême avec des entreprises qui jouent au jeu d'une façon incroyable. Ça n'est accessible qu'avec beaucoup d'acrobatie. C'est un lieu ravitaillé par les corbeaux, et en même temps, c'est absolument merveilleux. Et on est très heureux de partager cette folle aventure avec vous tous. Merci beaucoup. Alexis Brazet, juste avant Alexis Brazet en tant que président du jeu. Voilà, tout d'abord la remise du trophée. Voilà, qui est là, monsieur Benoît. Très bien. Alexis Brazet, juste avant, quelques mots sur les raisons du choix du jeu. Je ne sais même pas si c'est la peine de vous donner raison, parce que je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Ce qu'on a vu est tellement magnifique, tellement sublime, tellement incroyable, que finalement, c'est absolument inutile de vous expliquer pourquoi ce vaisseau qui fend la mer et cette vision absolument saisissante, c'est quelque chose qui est d'une beauté, qui est à couper le souffle, et c'est évidemment ce qui nous, membres du jury, nous a d'abord frappés, et ce qui fait que finalement, l'accord s'est fait, je dirais pas immédiatement, mais assez facilement, après les discussions, sur votre réalité. La deuxième raison, là encore, on l'a vu, mais on l'a peut-être pas si bien vu, parce que finalement, il y a assez peu d'images de ce qu'était au départ ce monument. La deuxième raison, c'est le travail époustouflant que vous avez accompli en quelques années. Combien d'années, Benoît ? 33 ans. Entre ce... La pierre de 33 ans, et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est absolument inouï dans le respect des règles de l'art, dans le moindre détail. Donc ce travail est absolument admirable et incroyable. Et évidemment, ces deux arguments, à eux seuls, méritaient que vous ayez le prix. Il y a quand même une troisième raison sur laquelle je voudrais une seconde m'arrêter. C'est qu'avec cette compagnie que nous couronnons, c'est la compagnie du Fort d'Alconcher, c'est une aventure humaine que nous avons voulu mettre en avant, une aventure humaine d'un type finalement que nous n'avions jamais couronné depuis 10 ans qu'existe ce prix du grand trophée du Figaro et maintenant de son patrimoine. C'est-à-dire cette entreprise incroyable menée par une association de bénévoles qui, voilà, restaurer un monument qui était totalement à l'abandon. Il faut bien voir ce que ça veut dire. Ce sont des hommes et des femmes qui consacrent leur vie pour un monument. Et ça, c'est quelque chose d'assez incroyable, d'assez extraordinaire. Vous savez combien, dans ce prix, nous sommes attachés à la dimension familiale du patrimoine, à ces monuments, ces châteaux, ces demeures qui se transmettent de père en fils ou en fille depuis des générations et des générations. Et c'est quelque chose que nous avons toujours défendu, que nous défendons toujours. Mais la Conchée, c'est autre chose. Et ça nous a paru intéressant
de souligner aussi à travers votre projet que le patrimoine n'est pas quelque chose de familial, c'est pas forcément quelque chose dont on a hérité, c'est pas quelque chose qu'on a les moyens d'acquérir, ça n'appartient pas forcément à une personne, ça n'appartient pas à une famille, c'est un projet collectif, c'est le projet d'une association, c'est le projet d'une équipe, c'est le projet d'une compagnie. C'est un magnifique projet, et donc autant que la qualité de la restauration, et autant que les difficultés d'entreprise, parce que c'était un moyen, c'est cet engagement admirable et désintéressé d'une association que, ensemble, les membres du jury, nous avons voulu couronner. Bravo et merci. Merci. Merci Marie-Hélène Aberlesson qui vous remet le prix. Voilà, vous pouvez dire quelques mots. Oui, alors. C'est quand il s'agit de l'évoquer le temps de l'âge. Je suis tellement passionnée par ce projet, par ce temps de la congé, que je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je ne pense pas que ça soit ce que vous souhaitiez. J'ai un peu embarrassée parce que finalement, toutes les choses qui importantes ont déjà été dites. Vous avez très très bien décrit cette merveilleuse aventure humaine que nous vivons 21 personnes. Alors, je suis Marie Moreau, contrairement à moi, a fait partie de l'aventure dès le départ. C'est-à-dire que vous avez vu ces amas de pierres sur la plateforme qui sont absolument incroyables. Et les vrais fous dans l'histoire, c'est eux. Ils en font partie. Ils font plus toujours partie de notre association parce que malheureusement, ils nous ont quittés. Moi, je ne suis aujourd'hui que le chef d'orchestre des travaux depuis une dizaine d'années et je suis tellement heureuse quand je suis sur ce bord, le voir évoluer, le voir progresser. J'ai envie d'être déjà demain pour voir ce qu'on va encore pouvoir réaliser. Donc je suis évidemment très fière de représenter cette compagnie du Fort de la Conchée qui est composée de ses 21 associés, mais ce sont plus que des associés, ce sont des amis qui œuvrent, comme je le dis dans le film, avec la même ferveur depuis 33 ans pour la restauration de cet édifice que je le considère comme exceptionnel et je suis ravie de voir que nous, on n'est pas les seuls. C'est vrai que Vauban le considérait comme la plus belle forteresse du royaume. Il écrivait qu'elle avait été la plus difficile à bâtir et je vous assure qu'elle est aussi la plus difficile à restaurer. En redonnant vie à cet ouvrage hors du commun, nous donnons aussi du sens au dur labeur de ces artisans qui ont bâti cette œuvre majeure du génie militaire de Vauban, souvent dans la souffrance et parfois au péril de leur vie. Leur labeur n'aura pas été vain. Il faut savoir qu'à l'époque de Vauban, on a du mal à imaginer, parce que malheureusement il y a très peu d'archives concernant la construction, on la connaît, mais les conditions de travail et de vie sur le fort à cette époque sont très mal décrites, si bien qu'il faut imaginer, on imagine pas, on sait que ça a été extrêmement difficile. Donc nous sommes évidemment très honorés et aussi très reconnaissants de recevoir ce grand trophée d'assaut de la part d'institutions aussi prestigieuses qui se consacrent à la sauvegarde et à la mise en valeur de notre beau patrimoine. Je salue aussi tous les finalistes que nous avons rencontrés ce soir et qui travaillent aussi pour ce beau patrimoine et qui participent à son rayonnement. Donc un grand merci évidemment au groupe d'assaut pour leur très généreuse notation et je vous promets que nous en ferons bon usage. Un grand merci évidemment à la Fondation Mérimée, au groupe du Figaro. Enfin, merci à tous les membres du jury, comme je le dis tout à l'heure, d'avoir accueilli notre dossier avec tant de bienveillance. Merci et bravo.